L'UNESCO a déjà conduit plusieurs programmes allant dans le sens d'améliorer la participation des filles dans les STEM. L'atelier en cours s'inscrit donc dans la continuité des multiples efforts qu'elle a consentis en collaboration avec ses partenaires. Cette activité offre l'opportunité à des participants de 12 pays d'Afrique francophone de renforcer les capacités des personnels de l'éducation à dispenser un enseignement STEM sensible au genre dans les établissements d'enseignement moyen secondaire. L'égalité femmes-hommes avait plus de force que la simple question du genre. Mais soyez rassurés que nous sommes à l'école là-dessus. Au niveau de nos pays, nous sommes tous en retard par rapport aux sciences. Garçons et filles, ils sont tous en retard. Mais les filles sont plus touchées que les garçons. L'aspect technologique, ingénierie, semble poser problème. Non seulement pour l'ensemble, bien sûr, d'élèves, mais également et surtout pour les filles. Parce que dans beaucoup de pays, effectivement, nous avions vu, du point de vue insulaire, en tout cas, les différentes actions qui ont été prévues pour essayer d'amener les filles à s'intéresser vraiment aux matières scientifiques. Dans notre continent, les parents n'ont pas favorisé la jeune fille à la technique. Nous manifestons notre volonté, notre engagement au niveau du Sénégal de porter ce leadership à travers un réseau pour faire de Dakar la capitale de l'enseignement des sciences.